Wesh les mecs, c'est Monsieur Jam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les mecs, pour une vidéo en squad builder. Mais avant si je commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez mon nouveau logo et ma nouvelle bannière, ça me ferait vraiment plaisir les mecs. Donc voilà, j'ai contacté un GFX, je trouve que c'est vraiment propre les mecs, donc franchement je contacte beaucoup de GFX pour que la chaîne soit plus propre. Donc dis-moi si ça vous fait plaisir les potos. Les mecs, bientôt j'ai vraiment quelque chose de très important à vous dire, donc dans les prochaines vidéos les mecs, il y aura une annonce, donc franchement allez la voir, ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, avant que cette vidéo commence, lâche ton plus beau pouce bleu. Donc les mecs, c'est une Ligue 1, donc on commence avec Benoît Costil, donc lui il est super fort, 87 matchs avec lui, donc il n'y a pas de but bien sûr, mais voilà. Donc beaucoup de gens qui disent que c'est un très bon gardien, et moi je confirme, il est juste dingue les potos, vraiment super super fort. Et bien sûr c'est une équipe pas très très chère les potos, lui il coûte 2000 crédits. En latéral droit, Sébastien Corchia les mecs, acheté pour 1100 crédits, 75 de vitesse, 72 de physique, 76 de défense, voilà, superbe carte les potos. Après on a Maxime Lemarchand, donc lui il l'a acheté parce qu'il fait 1m85, il a 79 de physique, il a 77 de physique, ce qui est ouf pour un défenseur central. Et après on a Mapouyangue Miwa, pareil, 72 de vitesse, 79 de physique, ce qui est très très bon, acheté pour 1400 crédits. Après on a Benjamin Mendé, donc lui l'ancien joueur de Marseille, les potos, donc voilà, lui je le kiffe vraiment de ouf, 77 de vitesse, 76 de physique, acheté pour 650 crédits, donc c'est donné. Après on a Gilet, Guillaume Gilet, donc lui ce qui est vraiment super fort en vrai. Et lui je crois que c'est Clémo qui l'a conseillé dans une de ses vidéos, et voilà. Donc lui, regardez sa carte, oh, carte non rare hein. 78 de physique, 68 de vitesse, 73 de tir, il est juste fou les potos. Donc 50 matchs avec lui, 5 buts et 6 passes des, donc c'est franchement c'est pas mal du tout. Après on a Roulian Draxler les potos, donc on va un peu bien sûr parler de Paris. Donc Paris, voilà, je suis pas du tout pour Paris les potos, mais franchement je voulais vraiment à tous les supporters parisiens. Je m'en fous un peu s'ils gagnent ou ils perdent, mais franchement juste GG, parce que contre le Barça vous avez géré de ouf. Voilà, même si je suis pour l'OM à fond, franchement GG quand même, parce que là le match était archi mérité. Et voilà, donc Draxler, l'ancien joueur de Wolfsburg, lui je le kiffe, il est super bon, et je l'avais déjà avant qu'il arrive à Paris les potos. Donc, et là c'est la même carte, donc il est super fort, 5 étoiles de Mopipié, 4 étoiles de technique. Voilà, que dire de plus, 77 de physique, 79 de tir, voilà. Il est juste super fort les potos. Après on a Jean-Michel Seri, donc lui pour moi c'est à peu près le Kanté du pauvre, oui, parce que voilà, 70 de vitesse, pardon, 71 de tir, voilà. Donc, il est vraiment super vif les mecs, c'est super. Donc, bien sûr je vais faire un match après, donc restez les mecs. Après nous avons Nabil Fekir les mecs, donc Nabil Fekir, donc lui 80 matchs avec lui, 38 buts et 22 passes décisives, 83 de vitesse, 87 de dérive, 77 de tir, 4 de justice technique, voilà, super fort. Nabil Fekir, je pense que vous connaissez tous. J'adore ce joueur dans le jeu, et en vrai ça passe. Après on a Memphis Depay les mecs, donc sur les ailes on a deux Lyonnais, bah, parce qu'ils sont super forts tout simplement dans le jeu. 90 de vitesse, 4 étoiles de geste technique. Après ce qui est un peu chiant avec ce joueur, c'est qu'il a 2 étoiles de mauvais pied, mais franchement tu le ressens pas parce qu'il a une superbe frappe et son effet de balle est juste ouf. Et pour finir le buteur c'est Jérémy Ménez les mecs, donc voilà, 86 de vitesse, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 950 pour 950 crédits, 33 matchs, 14 buts, 22 passes décisives, voilà. Donc voilà ce que donne l'équipe les mecs, un 4-3-2-1, donc voilà les mecs, et on va lancer un match tout de suite. Donc les petits coquins, j'espère que vous avez passé un très bon Saint-Valentin. Donc si vous avez une meuf ou pas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir les mecs. Donc voilà, en tout cas il est une équipe pas mal avec beaucoup de joueurs de prêt, donc Ben Arfa, Mahrez, voilà, donc il a une bonne équipe les mecs. Mais voilà, après Piqué, Varane, Carvajal, Gaia, Navas, Touran, Casemiro, ouais, il a une bonne équipe, je crois c'est Bruno son, le mec du Villarreal. Donc il a une bonne équipe les mecs, mais j'ai une meilleure équipe que lui parce que mon équipe elle est super forte les mecs. Je crois qu'à dans les 20k je crois, mais super fort les mecs. Donc allez, on va tester tout de suite. Attention à Ben Arfa, attention à Ben Arfa. Ah les mecs, c'est pas possible, on se prend un but comme ça là. C'est pas possible. C'est pas grave, on a une très bonne équipe les mecs, on se fait prendre à la 3ème minute. C'est pas grave, j'ai confiance en mes joueurs. J'ai confiance en mes joueurs les mecs. Ménez, allez Mendy, Benjamin Mendé. Oh oui. Nabilou. Oh Nabilou, c'était dommage, voilà. C'est dommage les mecs, là on va essayer de continuer là, on va essayer de forcer. Allez peut-être pour Jérémy Ménez. Oh, le ball roll qui passe, le long shot. Oh, c'est dommage, c'est très dommage. Voilà, Ménez il est super bon les mecs. Pff, allez, on faut qu'on essaie de gagner, ce qu'on essaie de gagner là. Allez. Nabilou.
Oh le poteau, mais c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Pff, on a eu très chaud les mecs. On le domine le mec, il est... Oh là là, faut faire attention. Oh oui, Memphis. Allez, son enroulé, ça rentre, ça rentre. C'est pas possible les mecs. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe les mecs? Non, Memphis, ça s'arrête ça. Ah, c'est pas... Oh, hors jeu, j'ai eu peur. Le pack Memphis, oh les mecs, l'action, c'est magnifique, c'est parti. Du gardien de but, les photos. Magnifique but, voilà. De pack, c'est vraiment un... Ça fait plaisir de pouvoir le placer en Ligue 1, les potos, parce qu'en ailier gauche, il n'y avait pas grand monde. Et là, voilà, son effet parle et il est juste dingue et magnifique but. C'est pas mérité du tout, les potos. Hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas mérité. 1%, le mec le domine tellement fort, les potos. Ah là là, bah, c'est la vie, mais c'est encore possible de rattraper les mecs. De paix. Allez, allez, peut-être pour le doubler. Non, c'est pas possible. On n'arrive pas. On n'arrive pas à marquer, les mecs. C'est pas grave. On n'y arrive pas, on n'a pas de chance. Mais les mecs, c'est l'équipe. Pff, oh là là, je me régale avec cette équipe. Pourtant, elle ne vaut rien. Mais je me régale. Oh, dommage. Oh, yeah, les mecs. Roulez de pain, les mecs. Il est trop fort. Putain. Voilà les mecs, le triplé de paille. Allez, il faut vraiment qu'on gagne parce que là c'est pas possible, je ne peux pas perdre. Normalement ma défense les mecs elle est vraiment super forte. Mais là je sais pas, je me prends 4 buts, la connexion marche pas super bien. Mais c'est pas grave, là franchement les mecs je vais essayer de me concentrer là. Oh, j'ai cru les mecs, j'ai cru qu'elle était dedans. C'est dommage. Voilà les mecs, c'est la fin du match. Donc tout ça pour vous dire que c'est une super superbe équipe. Même si je me suis pris 4 buts, c'est vrai. C'est dommage. Voilà, donc le match était équilibré. Je pense quand même que j'ai dominé. On va aller voir les stats. On va aller voir les stats. Et voilà, j'ai quand même dominé assez largement. Voilà, on méritait de gagner, c'est pas grave. J'ai très mal défendu sur ce match, il faut savoir. Voilà, donc j'espère que ce score buteur vous aura plu. En tout cas, j'ai envoyé cette vidéo à une chaîne communautaire. J'espère qu'elle me plaudra, les mecs. Donc voilà, donc bientôt 300 abonnés. Restez actifs parce que bientôt il y a une grosse surprise pour vous. Enfin, une grosse surprise. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui me tient à cœur en fait. Et vraiment, restez actifs sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Monsieur. Ciao. Ciao.